mes parents. Habille-toi. Pourquoi vous faites ça? Je l'aurais pas fait. Je l'aurais jamais fait. Nous en sommes pour ton bien, Danny. Voici la liste de ses allergies et des choses qu'il ne peut pas manger. Excellent groupe. Excusez-moi. Un renseignement? Je suis venue il y a une semaine, j'ai acheté ça, c'était censé être neuf, je l'ai ouvert et il était rayé. Écoutez, s'il était dans son emballage quand vous l'avez acheté, c'est que c'est forcément... Ça va, vous l'avez sûrement remis sous plastique vous-même, gros crétin. Ce gars est un voleur, ok? Je vous déconseille d'acheter quoi que ce soit ici. Oui, je suis un peu sur les nerfs. Ça vous suffit. Ne seriez pas un peu sur les nerfs à ma place? Enfin, vous vous rendez compte? Franchement, trois fois en une semaine. Ça suffit. Par ici. Allez. Gros crétin. Oh, allez, avoue, t'adores ça. Ouais, ça va en dehors, mais je travaille ici, j'ai besoin de ce boulot. Bon, est-ce que tu viens à la soirée de Libby ce soir? Ah, non, je crois pas. Pourquoi? Ça va être super. D'accord, d'accord, rendez-vous là-bas à 9h. Génial. Bye. Salut. Encore une cliente satisfaite. Mesdames? Et si nous prenions un verre avant de parler sport et politique? Bien, que puis-je vous offrir? Pour moi, un bourbon. Merci. Et pour vous, Bob? Allez, faites-moi plaisir. Oh, vous préférez rester sage. Je vous le fais pas dire. Cette loi sur le principe des trois prises comme au baseball porte ses fruits. La drogue est un fléau pour notre société. Si on débarrasse les rues de ces criminels... C'est bon pour tout le monde. Je vous approuve. Saviez-vous qu'il y avait eu 2 millions d'incarcérations l'an passé? On ne peut pas rester les bras croisés. Certainement pas. Excusez-moi, Carl. J'en suis à combien de prises? Tu veux quelque chose, Sophie? Merci beaucoup. Personnellement, ce qui me préoccupe plus que la drogue, c'est le fléau des politiciens véreux. C'est ça que vous cherchiez, Carl? Non? Excusez-moi un instant. Maman? Quelqu'un? Sophie est un peu troublée ces derniers temps. Suis-moi, chérie. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous allez systématiquement fouiller dans ma chambre à chaque fois que j'en Sophie, sors. Sophie, ça suffit maintenant. Quoi, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Carl, hein? Encore une prise et je suis retirée? Tu as déjà largement dépassé ton quota. Oh!
Elle arrive. C'est de la torture, mais je peux attendre. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. C'est quoi? C'est rien, je t'assure. C'est rien, c'est juste... C'est juste Carl et ma mère qui ont encore fouillé dans ma chambre. C'est devenu un peu chaud, c'est tout. T'aimes bien t'embrouiller avec eux, non? Non. Non, j'ai horreur de ça. Tu voudrais bien me rendre service? Bien sûr, tout ce que tu veux. Dis-moi. Épouse-moi. Ouais, je vois. T'en as fumé du bon. Non, 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 non. Non, non, regarde-moi. Sérieusement. Écoute, je me suis renseignée. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 18 ans pour se marier dans le Nevada. Je pourrais enfin m'en aller loin de Carl et maman, et puis toi et moi, on pourra être ensemble. Je t'en prie. Bon, ok. Mon père nous a laissé de l'argent dans un fonds. On pourrait s'en servir le temps que tu termines tes études. Oh, oh, doucement, doucement, du calme. Tu veux pas m'épouser? Non, c'est pas ça. C'est pas que je veux pas t'épouser, c'est juste que... Enfin... Ok, si un jour on doit se marier, ce sera pas pour des raisons légales, mais parce qu'on aura pris la décision. Je veux dire, toi, moi... Et l'amour. Ok. Sophie Bauer? Qui êtes-vous? Hé! Hey, hey. Nous avons l'autorisation de vos parents de vous emmener. Lâchez-moi! L'autorisation, je m'en fous! Je vous faire ça en douceur! Ou par la manière forte! Ben! Sophie! Ben! Vous l'avez cherché, mademoiselle. Ben! Sophie! Elle avait besoin d'aide, Ben. Où est-elle? Elle est partie et personne ne peut la voir. Pour combien de temps? Peut-être un an, Ben. Ça fait partie du programme. Un an? Le programme pour votre fille? Qu'est-ce que vous avez fait? Sophie se faisait du mal. Elle détruisait notre famille. Il fallait que ça s'arrête. Vous perdez votre temps et le nôtre. Vous devriez rentrer chez vous. Vous taisez-vous. Je lui ai dit d'être cool avec vous, mais elle avait raison. Vous êtes cinglé. Très bien, jeune homme. Je préviens la police si vous ne quittez pas cette propriété dans les 20 secondes. C'est vraiment ce que vous voulez. Thank you.
Allez, debout. Y va. Mandataire. Allez. Plus vite, on perd du temps. Ok. Allez, dépêchez-vous. Va, lâchez-moi. Amène-toi. Allez, avance. Allez, allez, on s'endort pas. Remuez-vous. Wilcox Jack, de Portland. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Vous vous appelez Jack? Non. Alors la ferme. Wilcox Jack. C'est le régime sec qui t'attend, mon gars. J'espère que t'as fait des réserves. Randall Daniel, de Chicago. Le genre calme, hein? Bauer, Sophie de Denver. Ok, puisque vous savez qui on est, on peut peut-être savoir qui... Oh! Ne me touchez pas! Je m'appelle Logan. Je suis chargé de la sécurité. Avec le temps, vous finirez par m'apprécier. Cet endroit n'est pas une prison. Constaterez qu'ici, il n'y a pas de mur, c'est inutile. Si vous quittez le périmètre du camp, vos bracelets nous avertiront. Si vous comptez tenter votre chance à la nage, regardez autour de vous. Vous êtes sur une île entourée par un océan. Et au-delà, c'est toujours l'océan. Si vous survivez aux lames de fond, les requins s'occuperont de vous. Vous allez nous remettre vos bijoux et tous vos effets personnels. Allez. Tu le récupéreras. Nous allons vous apprendre à être fort et à savoir suivre les règles. Plus vite vous apprendrez, plus vite vous rentrerez chez vous.
En attendant, profitez du séjour. Chaque matin, lorsque le jour se lève, cette île est le premier endroit sur Terre à recevoir les rayons du soleil. C'est là un vrai privilège dont nous devrions être reconnaissants. Je suis le docteur Arthur Hale, fondateur et directeur du camp Sérénité. Je vous invite à me rejoindre. Pédale. Jack, n'est-ce pas ? Jack, nous n'autorisons pas ce genre de mots dans l'enceinte du camp. Quel camp ? On est sur une plage perdue au beau milieu de l'océan. Ouais, puis c'était vraiment pas chaleureux comme accueil. Ils nous enchaînaient à des blocs de ciment, on a presque failli se noyer. Chacun d'entre vous a, sur le plan émotionnel, psychologique et même physique, tenu ses parents enchaînés à un bloc de ciment jour et nuit durant des années. C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de laisser nos nouveaux arrivants éprouver ce qu'ont pu ressentir leurs pauvres parents, ne serait-ce qu'une seule petite nuit. Maintenant, suivez-moi. Vous pouvez désormais vous compter parmi les heureux membres de l'ASAP. Le programme approfondi d'accès à la sérénité, créé par mes soins afin d'apprendre aux adolescents perturbés à éviter les modèles négatifs de notre société, susceptibles de détruire leur ambition, leur éducation, leur famille et leur avenir. Espèce de malade! C'est quoi ces conneries? Hé! Hey, c'est à toi que je parle, enfoiré! Goûte-moi ça pour voir! Hein? Vas-y, goûte. Régale-toi. Maintenant, debout. Tu vas venir avec moi. Ici, dans ce cadre enchanteur et apaisant, ces bracelets électroniques et ces liens symbolisent votre conflit avec le monde. Vous aurez toute la liberté que vous souhaitez. Elle est partout autour, accessible. Semblable à celle que vous aviez là-bas dans votre vie de tous les jours. Le programme exige de la discipline, du dévouement, une grande force de travail. Comme Jack vient de nous le montrer, certains de mes nouveaux inscrits ne peuvent s'empêcher de céder à la colère. Vous n'êtes pas ici pour nier vos sentiments, mais pour les comprendre en les examinant, vous voyez. Et espérons-le, les exprimer de manière plus constructive. Et je serai là pour aider chacun d'entre vous à atteindre ce but. C'est ici que commence notre grande aventure. Maintenant, je vous présente Hélène, l'une de nos plus brillantes pensionnaires. Elle vous aidera à vous installer. Suivez-moi. Au début, tout le monde porte un chandail noir. Il représente le trouble de votre état émotionnel. La couleur change en fonction de vos progrès. D'abord le jaune et ensuite le blanc, comme moi. Si le programme se passe bien, tout se passera bien pour vous. Pour toi, le programme a dû super bien se passer. Comment t'as atterri ici? T'as volé des friandises? Je rentre chez moi, l'hiver prochain.
Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de porter ce chandail blanc et de ne pas trop faire chier. On y va. Installe-toi, Wilcox. Trina! J'ai fini. Montre son lit à Sophie. Randall, à l'intérieur. Ça va? Ici, votre confort, c'est pas vraiment la priorité. T'as le choix entre ça, le sol ou les blocs de ciment sur la plage. Allez, on y va, dépêche-toi. En route. C'est bizarre, hein, de regarder ces vêtements et de penser à ceux que tu portais quand t'étais chez toi. J'avais des trucs vraiment chouettes. Maintenant, je mets cette saloperie de tenue tous les jours. En tout cas, je doute fort qu'elle soit arrivée ici dans une robe de soirée. Non. Survêtements et environ 15 kilos de plus. Ce qui s'appelle aussi un gros cul. Les petites salopes maigrichonnes dans ton genre passaient leur temps à se foutre de moi. Et je me suis ouvert les veines. Aujourd'hui, plus personne se fout de moi. Alors, qui est notre nouvelle recrue? Mademoiselle Hale, voici Sophie Bauer. Bienvenue. Sophie. Hale? La sœur du docteur Hale. Je vous attends pour votre FCA. Mon FCA? Fouille corporelle approfondie. C'est juste au cas où tu cacherais des friandises. Désolée pour le retard, Ben. Merci d'être venu. Merci à vous, Madame Bauer. Vous avez des nouvelles? Non. Ben, vous ne pouvez pas continuer à appeler chez nous. C'est pour ça que vous vouliez me voir? Ça n'arrangera pas les choses. Si vraiment vous tenez à ma fille, vous ne pouvez pas continuer. Je ne peux pas croire que ce soit ce que vous vouliez. Je peux comprendre ce que vous ressentez, mais c'était la meilleure solution. Vous savez combien elle a besoin de vous. Depuis la mort de son père, vous êtes tout pour elle. Moi? Oui. C'est peut-être pas à moi de vous dire ça, mais... elle pense que tout vous est égal, que... que la seule chose qui compte pour vous, c'est Carl. En effet, Ben, ce n'est pas à vous de me dire ça. Madame Bauer, elle représente tellement pour moi. Elle va bien au moins. L'établissement s'appelle le Camp Sérénité. Il est situé dans le Pacifique Sud. C'est pour son bien, Ben. Merci. Ah bon? Mais c'est quoi leur boulot, alors? Ils sont là pour s'assurer qu'on ne vole rien. Ce sont les fous qui surveillent l'asile. Et ils leur donnent un peu de temps libre, de liberté. De nourriture. Ça a l'air de marcher.
Ouais, j'en sais rien. Je crois que je préfère avoir faim que de me taire. J'y crois pas. Comment on peut laisser faire ce genre de truc? Je veux pas le faire. La bonne conscience est à votre âme ce que la bonne santé est à votre corps, ma chère. Vous me suivez? Rina est parmi nous depuis maintenant 6 semaines. Elle vient de New York. Et c'est sa première séance. Alors soyez gentils de l'encourager. Pourquoi êtes-vous ici, Trina? Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Alors vous n'avez rien à nous dire. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici, non? Vous n'avez rien à confesser, rien à avouer? Non? Vous pouvez le dire tout haut. Nous le faire partager. Dites-nous tout. On vous écoute. Je ne sais pas, monsieur, je vous assure. Vous me décevez beaucoup, Trina. Je croyais qu'il était temps pour vous d'avancer. T'as sucé des queues pour de l'argent, à vous. Pour acheter ta drogue, tu suçais des queues. J'ai raison. J'ai raison. Parce que c'est tout ce que tu es, une sale cochonne, une sale traînée qui se défonce. Tu as volé de l'argent, hein? Tu en as volé à ta mère? Non. Tu en as volé, hein? Allez, dis-le. Tu voulais en faire. Traînée, salope. À vous, tu lui en as volé. Dis-le. Avec mes copines. C'était à celle qui se ferait le plus de mecs, cette nuit-là. Et j'ai joué le jeu, j'ai vraiment joué le jeu. J'ai couché avec... avec cette... cette huit gamme. Et à chaque fois... je les imaginais juste à côté de moi, et j'avoue que j'ai vraiment éprouvé du plaisir en voyant à quel point ça les aurait fait souffrir. Je suis désolée, ok? Je suis désolée! Nous t'aimons, Trina. Nous t'aimons, Trina. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Thank you.
Seigneur, donne-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage de changer ce que nous pouvons, et la sagesse d'en connaître la différence. De ton père? J'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Poulet, une fois par mois, mais il n'en restera plus pour nous. Le règlement. Non. Pourquoi toi tu aurais un morceau de poulet en plus par les autres, hein? Qu'est-ce qui peut bien te rendre si différente? Je ne suis pas différente. Mais tu sais qu'à cause de ça, tu pourrais garder ton chandail noir un bon moment. Je suis désolée. Tu vois, j'étais prêt à proposer qu'on te fasse monter en grade. C'est bête. Maintenant, on peut aussi trouver un arrangement. Non, je t'en prie. Je t'en supplie. Non. Non. C'est le déluge dehors. Ah, c'est pas la fin du monde. Regarde ça comme ils réagissent. Tu ne crois pas qu'on devrait les aider? Le cœur t'en dit. Allez vite, tout le monde dehors! Vina est encore à l'intérieur. Vina! Vina, dépêche-toi! Allez, debout! Les filles, venez ici, en vitesse! Bon, si jamais il y a un problème, je suis dans le coin. C'est moi qui vous donne les instructions aujourd'hui. On va réinstaller ces deux tentes. C'est un travail de gars. Écoute, j'ai pas envie de discuter. On reconstruit ces tentes un poids, c'est tout. Allez, au boulot, dépêchez-vous. Excuse-moi. Allez, prenez les par en dessous.
Bien, allez, par ici. Voilà, soulevez. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Debout, au travail. Trina, je suis fatiguée, d'accord? J'ai dit debout. Trina, s'il te plaît. On a du boulot. Ouais, ça j'ai compris. Je voudrais juste me reposer un peu. On n'est pas là pour s'opposer. Debout. Je suis vraiment, vraiment fatiguée. Si tu refuses de travailler, on sera tous punis. On doit apprendre à être solidaires. Ne me force pas à le faire. Fais-le. Trop tôt. Attends, laisse-lui une seconde. Venez. Je me suis peut-être trompée. Quand nous offrons à ces enfants une bonne motivation, ils savent saisir leur chance. T'es dépendant depuis combien de temps? Un an. La fille dort, elle est mal en point. C'est à moi d'en juger. Voici leur dossier. Désolé pour les nuisances, on reconstruit à cause de la tempête. Je n'oublierai jamais le jour où, en gravissant cette dune de sable, j'ai aperçu pour la première fois cet ancien camp militaire abandonné. Oula, j'en ai de la chance. Sinon, vous vous rendez compte? À l'heure qu'il est, je serai chez moi avec mon petit copain. Mais vous, toute cette île est un territoire protégé. C'est ici que les Fidjiens fondèrent jadis leur civilisation. Une société fort bien organisée. Imaginez. Du lait et un biscuit. Vous plaisantez, j'espère. D'accord. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée. Je vous offre ça et en échange, vous vous confiez un peu. En me faisant part de tous vos petits secrets. Eh bien, voici un de mes petits secrets, cher docteur. J'ai horreur des biscuits. Bon, très bien. Alors reprenons. Vous avez horreur des biscuits. Vous n'avez rien à faire des civilisations anciennes. Votre petit ami vous attend. Et vous détestez votre mère. Non. C'est faux. Alors c'est elle. Quelle mère ou quel père bienveillant? Mon père est mort. Carl, et tout sauf mon père. Ok. Dans ce cas, quelle mère bienveillante confierait sa seule et unique fille à un monstre comme moi? Bon, écoutez, docteur Freud, j'ignore à quel jeu vous jouez, mais moi, je joue pas à ça. Alors vous avez peut-être toute une bande de crétins prêts à vous voir comme le... comme l'architecte et le chef de cette fabuleuse utopie moderne. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Je marche pas là-dedans. Alors vous savez quoi? Avalez votre lait. Et étouffez-vous avec vos biscuits. Robert. Gibson. Richard.
Hé, hey, petit merdeux. Oh, tu m'écoutes? Tu veux me parler? Je vais t'expliquer comment ça marche ici. Jack, c'est l'heure. Mais on va bientôt dîner. Bon biscuit, alors. Les autres, à la cafétéria. Tellement de trucs à te raconter. Je suis au courant. Comment t'es arrivé ici? C'est pour son bien, Ben. Où est mon argent? Henri fait quelque chose, il va le tuer. Oh, touché à ce téléphone et il est mort. C'est un fou allié. Je veux mon argent avant le dit. Pourquoi il parle, Ben? Je m'en occupe. Pourquoi dois-tu cet argent? C'était le seul moyen de leur montrer que c'était sérieux. Dieu. Je me suis fait éclater quelques vaisseaux. C'est juste de l'eau avec du sel. On va sortir d'ici. D'accord? D'accord. Bougez-vous le cul! Allez! Allez, les filles, on accélère! Qu'est-ce que tu fais par terre, toi? Relève-toi! Oh, commence pas à me faire ta gonzesse! Ok, tout le monde! Vous voulez être fort? Oui, monsieur! Vous voulez quitter cette saloperie d'île? Oui, monsieur! Alors, allô, mademoiselle. Oui, monsieur. Allez, tout le monde, allô, allez, brouillez-vous. Voilà, c'est ça. Allez, barboter. Faible, Randall. Allez, mademoiselle, c'est reparti. J'ai une annonce à vous faire. Pour tous ses efforts et son esprit d'équipe, Trina va se voir remettre un chandail jaune. Continuez tous à faire du bon travail. C'est le seul moyen de rentrer chez vous. Je suis très fier de vous, Trina.
Sophie nous a rejoints. Il y a maintenant un peu plus d'un mois. Vous perdez votre temps. Je n'ai rien à vous dire. Très bien. Dans ce cas, c'est moi qui vais dire quelques mots. Sophie est une très jolie jeune fille. Elle est intelligente. Elle déteste les biscuits. Et elle souffre d'un certain nombre de troubles dus à la mort de son père. Vous voulez bien nous en parler? Non? Des volontaires? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à... Lève-toi ! Petite menteuse ! Viens par là, sale petite conne ! Ta fille est une mythomane. Tu ne crois plus maligne que tout le monde, pas vrai ? Ça suffit. Dis-leur que tu mens. C'est l'horreur du mensonge ! Sale menteuse ! Tu vas me le payer. Dehors ! Sors d'ici immédiatement ! Tu te crois plus maligne et plus intelligente que tout le monde, hein? Tu joues les vedettes, mais en fait, t'es qu'une menteuse, une non, sale arrête menteuse! Je suis désolée. Elle dépasse les bornes. Excusez-moi, je voudrais juste m'excuser pour ma petite scène de tout à l'heure. Je n'aurais pas dû réagir comme ça en présence de Carl et de ma mère. C'est juste que je suis très perturbée émotionnellement parlant. Il se trouve que depuis que Carl a épousé ma mère, il vient tous les soirs me rendre visite dans ma chambre. Il me force à avoir des relations sexuelles avec lui. Tu vas me le payer. Dis-leur que tu mens. C'est vrai, j'ai menti. J'ai menti. Je suis désolée. J'ai un plan. On va s'en aller. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. J'ai tout mis au point. Fais-moi confiance. Écoute, j'ai menti, c'est vrai, et je suis désolée. Je suis pas fière de moi et je me sens humiliée. Et si je n'avais pas fait mes conneries, ni toi ni moi, on serait dans cette galère. Ça, je m'en fiche. On fait tous des erreurs. La seule chose qui compte maintenant, c'est qu'on s'en aille d'ici. Elle a dit que c'était un bon établissement. Peut-être que c'est un bon endroit pour moi. Oublie elle une seconde, ok? Il sait pas de quoi il parle. Ce type est un charlatan. Il n'a jamais eu de diplôme officiel. Ok. Je suis désolée, c'est vrai, c'est idiot. Je suis désolée. Faut que j'y aille. Sophie. Aujourd'hui, je veux que vous écriviez une lettre imaginaire. À qui? À vous-même. De la part de vos parents. Je veux que vous écriviez la lettre que vous aimeriez recevoir, s'ils pouvaient vous écrire ici. Allez, debout ! Selon vous, que vous dirait-il ? Fouillez dans votre imaginaire, c'est un excellent exercice. Et concentrez-vous, si vous ne voulez pas y passer la nuit. Maintenant, au travail. Allez, fais mieux. Allez, passe le ballon. Oh,
Dans 2 mois, je serai peut-être sur ce bateau. J'ai du mal à imaginer que tu aies passé 2 ans ici. C'est presque une vie. Tu sais quoi? Je crois que j'ai jamais autant appris que durant ces 2 années. Ok, en position tout le monde. Allez, 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 allez. Pose-toi bien, Playboy. On se calme, Jack. On joue pour s'amuser. Ouais, c'est toi qui vas te calmer. Tu veux pleurer? Vas-y. Ouais, en place. Allez, faut gagner ce match. Allez. Ouais. Ok, en position tout le monde. Ok. Tu veux emmerder Jack? Je te fais une passe, tu me le redonnes et tu remontes après. Compris? Compris. Marquez bien vos joueurs! Ouais, pousse-toi. Ok, regardez-les! Doucement, attention! Allez! Couvre-le, couvre-le! Hop! Allez! Passe, passe, passe! Attention! Jean-Truquet! Ouais! Vas-y, cours! Cours dessus! Jean-Fond! Ouais! Excellent! Retourne dans la zone! Bouge! Ouais. 10-24, situation en main, terminée. Bien, on reprend. 3-49, prêt, allez. Si on regarde, vas-y, fonce, fonce, fonce. Ouais. Ah, t'as vu ça? Eh ben alors, Playboy, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu suffoques? Bien. Reste où tu es. Ok, les gars, on s'y remet. Nick nous quitte après 2 ans passés à nos côtés. Il démontre une nouvelle fois que notre programme est capable de remettre dans les rangs les cas les plus désespérés. Je suis tellement fier de lui et de sa réussite que je lui ai demandé de m'accompagner à mon séminaire de Los Angeles. Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous et à pardonner vos parents? Oui. Et je vous en remercie, monsieur. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire de ma vie. Nous lui avons tous donné les outils qui lui ont permis de réussir ce grand bond en avant. Il faut qu'on sorte d'ici. Tu m'as dit que t'avais un plan. Ouais, je te dirai quand. On ferait sûrement mieux d'attendre le départ de Hale. Danny, mon chéri, si tu reçois cette lettre, ça veut dire que c'est un faux, car nous ne t'aurions jamais écrit. Pas même en 1 million d'années. Ouais, je sais, celui-ci nous pose des problèmes pour l'instant. Suivante. Ma petite fille chérie. Je suis mort depuis maintenant des années, mais je sais que c'est moi dont tu aurais aimé avoir des nouvelles, car quoi que tu fasses, tu sais que je te soutiendrai toujours. Ne juge pas ta mère trop sévèrement. Elle t'aime énormément et elle fait de son mieux. Ça ressemble à un début de guérison. Je ne crois pas. C'est une fille trop intelligente. Elle cherche à gagner mes faveurs en essayant de me manipuler. C'est là-dessus que repose son programme. Merci pour cette analyse, petite sœur. Je sais à quel point tu détestes leurs parents, mais la plupart d'entre eux font de leur mieux. Tu as l'air tellement atteint à chaque fois que tu y retournes. Je te l'ai déjà dit. Les séminaires tiennent un rôle majeur dans mon programme. Éduquer les parents est aussi important que d'éduquer leurs enfants. Ne l'oublie jamais. Je m'inquiète, c'est tout. La justice nous a blanchis. Tu te souviens pas? Mais si cette fille était encore en vie... Je sais, nous ne serions pas ici, mais ce n'est pas le cas. Occupe-toi des enfants, c'est tout. Allez.
L'île principale, un gros hôtel. Merci de bien vouloir rejoindre vos places. Pas de prise de notes, de magnétophone, d'appareil photo ou de téléphone cellulaire. Je vous remercie. Soyez les bienvenus. Le programme approfondi d'accès à la sérénité que j'ai moi-même créé a pour objectif de vous rendre enfin vos vies en assurant un avenir meilleur à vos fils et à vos filles. Je vous suis très reconnaissant d'avoir bien voulu m'accorder votre confiance avec vos enfants. À moi maintenant de m'assurer qu'à votre tour, vous mériterez la mienne, le jour où ils rentreront chez eux. Comme vous le voyez, vos enfants travaillent dur au camp Sérénité. Mais ils ne peuvent retrouver le même environnement familial que celui qu'ils ont quitté. Car il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Vous êtes tout autant qu'eux responsables des troubles dont ils souffraient lorsque vous me les avez confiés. Quand avez-vous compris que vous ne pouviez plus faire confiance à Belle? C'était il n'y a pas si longtemps. À vrai dire, c'est arrivé sans qu'on s'y attende. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été si éprouvant pour nous. Il nous a dit que sa petite amie avait rompu. Sophie? Oui. Il l'a très mal vécu. Et je dois dire qu'avant cela, nous n'avions jamais eu de problème avec lui. Ben nous a convaincus que votre programme pourrait l'aider. Je comprends. Nous avons une réservation. C'est à mon nom, Ben Richards. Est-ce que la chambre 14 est prête? Ben Richards.
Oh. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais un génie? Chut, 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 chut. Non, non. Non, c'est parfait. C'est absolument parfait. Merci. Merci beaucoup. L'avion part demain matin. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Bienvenue à nouveau. Ben et Sophie nous ont tous trahis. Et dans le monde où nous vivons, les actes d'un seul d'entre vous ont un effet sur la vie de tous les autres. Il est temps que vous compreniez la responsabilité que vous avez envers autrui. Nous allons tous devoir payer les comportements égoïstes de Ben et de Sophie. C'est pourquoi, durant ces 3 prochains mois, vous serez privés de petit déjeuner et de temps libre. Tout le monde au travail. Super. De toute façon, la bouffe était dégueulasse. Toi, je te conseille de faire attention. Bonjour, Danny. Allez, Danny, sauvez votre âme. La sauver de quoi? J'ai fait une erreur. Pourquoi c'est moi qui devrais être la cause de la paranoïa et du rejet de mes parents? Danny, vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive. Non, j'y suis pour rien, moi. Je ne reconnais pas le droit à mes parents de m'envoyer dans ce genre d'établissement. Je ne reconnais pas un système légal qui vous autorise à me garder ici jusqu'à ma majorité, pas plus que je reconnais vos futures références. Est-ce que tu reconnais que t'étais prêt à tuer ta famille, tes parents, tes amis, tes professeurs, oui ou non? Ordure! Assassin! Ordure! Columbine aura l'air d'un pique-nique. J'ai des armes, des mitrailleuses et des fusils d'assaut. J'aurais jamais tué qui que ce soit. C'était juste un truc. Pour emmerder mes parents, c'est tout. Vous êtes bien créé un monde, vous, hein?
C'était un malentendu, monsieur le spécialiste de l'enfance brisée. Expliquez-moi. Vous m'attendez, docteur, expliquez-moi, je vous dis, montrez-moi où j'ai fait une erreur. Allez, Roméo. En route. Monsieur Hill veut te voir. Nous n'avons pas eu de mal à vous retrouver. Comment ça? C'est une petite île. Nous savions que t'avais volé ce bateau de pêche. C'était pas très malin. Pourquoi ne pas m'en avoir empêché? Quoi faire? Qu'est-ce que tu aurais appris? Non, il fallait que tu ailles jusqu'au bout. Pour revenir au point de départ? Pourquoi es-tu venu ici, Ben? Je crois que maintenant c'est assez évident. L'amour? Admirable. Malheureusement, tu as choisi d'exprimer cet amour en risquant la vie de Sophie. En détruisant les progrès qu'elle avait pu faire jusqu'à présent, et en lui faisant subir une humiliation. Tout ça pour qu'on se retrouve à discuter tranquillement sur cette plage. Est-ce que ça valait la peine? Quoi? De te lancer dans cette plaisanterie? Tu as sacrifié les bonnes relations que tu avais avec ta famille et tu as menacé les progrès de tous les adolescents admis dans mon programme, dans le seul but de répondre à ton désir. Et alors, vous allez me renvoyer chez moi? Oui. Non. Un avion d'école de l'île voisine ce jeudi. Autrement dit, dans 3 jours, nous serons débarrassés de toi et toi de nous. D'ici là, au moindre écart de ta part, je ferai de la vie de Sophie un enfer. Ben. Et s'il disait vrai? Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'aurais pas dû venir. J'ai juste aggravé les choses. Comment ça? J'ai risqué ta vie. On a failli y rester. Et alors? Hé, écoute. L'important, c'est qu'on ait essayé, non? Le seul moyen que tu sors d'ici, c'est de suivre le programme. Tu plaisantes? Quoi? Tu es en train de me dire que ma seule chance de sortir d'ici... Ben! Ben, dis-moi ce qui se passe. Il me renvoie chez moi. Tu vas pas me lâcher après tout ce qu'on vient d'endurer. Envie de moi, non. Dis-le.
J'ai bien vu comment tu me regardais. Non. Et moi, je te dis que oui. T'aurais dû le dire plus tôt. Non, on a passé un accord. Tu sais quoi? C'est moi qui gère les accords, toute salope. Non! Non, arrête! Arrête! Non! Non! S'il te plaît, non! Non! Non, arrête! Non! Je me souviendrai toute ma vie. Viens, approche. Elle est en train de se noyer. Ah, 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 ah.
toi, Danny. Réveille-toi. Laisse-le. Pose-toi de là, t'y connais rien. Allez, Danny. Respire. Respire. Allez, Danny. Tué. Non, il essayait de s'échapper. Je te dis qu'il s'échappait. Non, c'est faux, tout ça, c'est des conneries. Tu l'as tué. Il savait pas nager, merde, tu le savais. Il attendait seulement une bonne occasion. Ensuite, il aurait pris la fuite. Et toi c'est aussi, vrai, tu l'as pas... vu. Tu l'as vu. Non, j'ai rien vu du tout. J'ai essayé de le ramener. Tu l'as tué. Il essayait de s'échapper. Et on ne défie pas un supérieur. Alors boucle-la si tu veux pas retourner deux semaines au fond de ces cachots. Oui, monsieur. Ok, on le ramène. Il s'est noyé en tentant de s'échapper. Ça ira? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui, au juste? Je vois pas. T'as vu quelque chose? Non. Quand est-ce que ça s'est passé? Tout à l'heure, je crois, pendant les exercices. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Vous avez détruit ce que j'avais mis une vie à construire. Il va y avoir une enquête et un procès en justice. Je ne vois pas comment je pourrais vous garder parmi nous, Logan. Vous ne pouvez pas diriger cet endroit sans moi. Je peux faire tout ce que je veux. Vous ne croyez pas que l'armée américaine serait ravie d'apprendre où vous étiez ces deux dernières années ? Un coup de fil, un seul. Alors, qu'est-ce que je dois leur dire? À qui? Aux enfants. À mes enfants. Vous savez, ils ne vont pas nous en tenir quitte. Et je n'ai pas l'intention de régler l'addition. Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Ne dites plus un mot jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Allez, rompez. Bien, monsieur. Pas un mot. Pourquoi? Tu as vu ce qui est arrivé. Tu perds le contrôle, comme par le passé. Tu te prends pour Dieu. Et plus tu essaieras de te raccrocher, plus les choses tomberont en morceaux, exactement comme... La ferme! Vous savez, il s'est produit un événement tragique. Danny Randall luttait contre ses démons, et aujourd'hui, ils ont triomphé. Pour moi, la perte de Danny est aussi douloureuse que ne le serait la perte d'un fils. Toute ma vie, je me suis efforcé de démontrer qu'en travaillant ensemble, nous pouvions atteindre un bien commun.
Et il n'y a pas une seule personne au sein de cette assemblée qui pourrait me dire de bonne foi que je ne me suis pas dévoué corps et âme à chacun d'entre vous. Tu parles. Je veux que vous sachiez tous qu'ici, au camp Sérénité, le règlement s'applique à tout le monde. Et qu'il est le même pour tous. Il est temps pour Logan d'expier ses péchés. Expier mes péchés. Devant tous ces petits morveux corrompus. D'accord. Allons-y. Dis-le, Logan! Vas-y, dis-le! C'est toi qui as tué Danny! Danny, pendant qu'il se noyait, a dû aller chercher tout au fond de lui la force de survivre. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Le vide. De quoi vous avez peur? C'est quoi, hein? À combien d'autres filles as-tu promis un chandail jaune, Logan? Qu'est-ce qu'il y a, Trina? À combien d'autres filles as-tu promis un chandail jaune, Logan? Ouais. À combien? Allez, Logan, dis-le-nous. À combien, hein? Tu étais prête à faire n'importe quoi pour ce chandail jaune. On a passé un accord. C'est aussi simple. Un accord? Ouais. Tu es sûr? Ouais. Est-ce que le viol faisait partie de cet accord? J'ai donné à cette fille exactement ce qu'elle attendait. C'est qu'un enfant, Logan! Et tu l'as violée! Et ensuite, tu as tué Danny. C'est ça! C'est un enfant! Regarde-la! Ça suffit! Non! Non, arrêtez! Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez tout de suite! En faisant ça, on approuve leur méthode. Ces méthodes sont l'ultime recours de vos parents. Vous vous rendez compte? Que nos parents paient cet homme pour s'occuper de notre éducation? Oui, alors, regardez autour de vous. Vous êtes arrivés brisés, et moi, je vous ai reconstruit. Et j'ai sauvé l'avenir de milliers d'entre vous. Ah ouais? Oui. Et la fille qui est morte dans votre camp du Nouveau-Mexique? Oui. Oui, et qui sait combien d'autres sont morts? C'est pour ça que nous sommes sur une île à l'autre bout du monde, avec encore moins de droits que des condamnés à mort? Quelle loi vous autorise à nous harceler, à nous torturer, à nous humilier pour nous faire découvrir un soi-disant bien suprême? Dites-nous qui peut décider de ce qui fera de nous des gens meilleurs! Dites-nous! Oui! Ouais, dites-nous! 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 La ferme! Ça suffit, ben! Exactement. Ouais, ça suffit. Vos méthodes ne marchent pas. Elles n'ont jamais marché et elles ne marcheront jamais. Et si on n'y met pas un terme sur le champ, alors ce soir, Danny ne sera pas mort en vain! Et nous pourrons en protéger des centaines d'autres dans notre cas! Totalement incontrôlable.
Mais tu ne vois pas que tout cela a assez duré. Il est hors de question que je les laisse détruire mon camp, c'est compris? Il faut qu'on arrête ça. Est-ce que tu te rends compte, Ben, que par ton comportement de ce soir, tu as complètement justifié mes méthodes. Les parents apeurés devront toujours trouver un moyen de faire face aux jeunes dégénérés comme toi. Vous allez faire quoi maintenant? Nous tuer? Psychologue, mon œil! Jack, non! Il fallait que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. On verra ce qu'en pensent les autorités. Vous savez ce qu'on dit, docteur. La roue tourne. C'est fini.
The things we need do not amount to much. Made of abandoned wood, loose stones and such. This revolution, baby, proves who you work for lately. Release the castaways who run amok. Self-appointed winds which blow as such. When present tense is strangled in the mire. Made of our codes and decomposing wires. And swaps. When